comme tous les matins avant d'aller sur le chantier. Il vient me parler de tous ses problèmes de foyer. Il me dit que ses enfants le rendent complètement fêlé, que sa femme le trompe avec le voisin du palier. Et lui là-bas ne fait que nous ravager sa jeunesse, qu'il était beau et riche, qu'il a tiré toutes les gonzesses, que dans son temps les jeunes avaient plus de politesse, mais qu'aujourd'hui pour une cigarette il t'agresse. Au fond de la salle j'entends qu'une bagarre éclate, je cours les séparer avec ma fameuse patte. Je vois que le premier a sous la manche quelques cartes, le deuxième le rate et me fout une patate. Ils m'ont tous saoulé. Sortant de son petit bureau, il desserre sa cravate et il me parle de son boulot. Il décrit son patron avec des tas de noms d'oiseaux. Il aimerait bien se taper sa secrétaire Véro. Et là y'a cette cougar au décolleté ravageur, jupe léopard en maquillage de film d'horreur. Elle me raconte ses ébats sexuels sans pudeur avec ce petit jeune qui est majeur depuis 24 heures. Et là d'un coup un homme monte sur la table, avec son accent bizarre il nous traite de macaque. Il nous dit qu'à l'époque il était formidable. Il tombe dans mes bras en pleurant qu'il est formidable. Ils m'ont tous saoulé. Intéresse, oui et moi, mes états d'âme et mes tourments. Ici personne ne veut les entendre, c'est normal, je ne reste que le barman.